Monsieur Monde, qu'à la fenêtre de sa jolie villa aux roses, qui peut-il bien être accoudé sur le cours des choses, un peu songeur à la fenêtre de sa jolie villa morose. On dirait qu'il attend peut-être quelqu'un, quelqu'une ou autre chose. Cherche-t-il à apercevoir ce qui lui manque pour avancer, un semblant d'accord de guitare? La routine, faut la faire valser. Cherche-t-il à apercevoir le début d'une nouvelle histoire? On ne peut pas être à sa fenêtre et puis se regarder passer, mais on peut voir par la fenêtre sa vie, toujours prête à recommencer. Mais on peut voir par la fenêtre sa vie, toujours prête à recommencer. Monsieur Monde est à la fenêtre de sa jolie villa aux roses. Sa raison d'être, est-ce une lettre? Sa boîte aux lettres n'est pas close. Un peu moins seul à sa fenêtre, la bonne nouvelle, l'apothéose. Peut-être est-elle à quelques mètres, comme un juste retour des choses. Cherche-t-il à compter les pas dans sa mémoire d'éléphant, de son passé qui ne passe pas, comme un petit champ d'olifant? Cherche-t-il à compter les pas qui le rapprochent d'un enfant? On ne peut pas être à sa fenêtre et puis se regarder passer, mais on peut voir par la fenêtre sa vie, toujours prête à recommencer. Mais on peut voir par la fenêtre sa vie, toujours prête à recommencer. Monsieur Monde est à la fenêtre de sa jolie villa aux roses. Y croire encore, aimer peut-être, puis remonter du fond des choses, un peu plus libre. À sa fenêtre, il vient de se remettre en cause. Son cœur a fait des kilomètres, sans état d'âme, il se repose. A-t-il une fois imaginé la femme qu'il a toujours voulu? A-t-il à l'instant deviné qu'elle tourne
au coin de sa rue. Est-il en train d'imaginer celle qu'il n'a pas encore vue? On ne peut pas être à sa fenêtre et puis se regarder passer. Mais on peut voir par la fenêtre sa vie, toujours prête à recommencer. Mais on peut voir par la fenêtre sa vie, toujours prête à recommencer.